C'est bon, hein? Voilà, gloire au Seigneur. Encore une fois, ben, on dit merci à Dieu, parce que Dieu permet dans sa grâce et dans son amour que nous puissions continuer eh bien, à prier Dieu, à remercier Dieu, à prêcher la parole de Dieu, à écouter la parole. Dieu le permet, Dieu nous fait cette grâce, et notre devoir, c'est de lui être reconnaissant. C'est de pouvoir lui dire merci avec joie, avec allégresse, avec volonté. De dire merci parce que tu permets que nous puissions écouter la parole de Dieu. Malgré qu'on est confiné, malgré qu'on est à la maison, qu'on ne peut pas sortir, malgré le danger qu'on peut courir en sortant de la maison, eh bien, dans ces moments difficiles, Dieu, dans sa grâce, permet que nous puissions eh bien, écouter la parole de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, certaines personnes que peut-être ne sont pas chrétiens, sont là à voir, à écouter aussi la parole de Dieu. Et vous savez, je parlais avec un frère au téléphone il y a un petit moment, et je disais que Dieu, malgré la situation, ben, Dieu continue à faire son travail dans les cœurs, dans les vies, dans les familles. Dieu fait son travail, car si nous, nous sommes limités, Dieu n'est pas limité. Amen. Bénito sea en nombre del Señor. Voilà, je te remercie et dire à Dieu merci pour le travail qui est en train de se faire, pas simplement que dans notre région à nous. Vous savez, les frères, par exemple, de Perpignan, et je dis que Dieu les bénisse, à tous ses frères, à tous ses serviteurs, ils sont en train de faire un travail aussi extraordinaire, de prêcher la parole de Dieu à toute heure, que Dieu les bénisse. À Marseille, les frères font un travail aussi pour la gloire du Seigneur, à Toulon, à Fréjus, dans beaucoup d'endroits, toute la mission est en train de faire un travail pour la gloire du Seigneur. En Espagne, les serviteurs, et dans tous les pays, dans tous les lieux, les serviteurs travaillent pour la gloire du Seigneur. Dans le monde entier, les serviteurs, l'Église de Dieu est en train de se mouvoir, de travailler pour la gloire du Seigneur. L'Église et les serviteurs, on est en train de prendre conscience et Dieu est en train de réveiller nos cœurs, nos pensées, etc. afin que nous puissions agir, aller au-devant, et bien pour la gloire du Seigneur. Donc il y a un travail extraordinaire qui est en train de se faire de la part de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies et que Dieu soit béni pour ce travail-là. Bénito sea en nombre del Señor. Voilà quelques pétitions, quelques annonces. On continue à prier pour les frères de Fréjus, il y en a certains qui sont atteints de ce virus. On prie pour tous les frères qui sont atteints. Aujourd'hui, on a appelé, on a su que la Fraca del Bernardo, elle est atteinte du virus, elle est rentrée ce matin à l'hôpital, elle est rentrée à l'hôpital Nord, ensuite on l'a transférée à l'hôpital de la Timone. Donc on va la présenter, que Dieu tende ses mains, que Dieu la bénisse. Elle est fatiguée, elle a du diabète, elle a de la tension, donc ça ne l'arrange pas du tout. Donc on va prier Dieu, amen, pour que Dieu tende ses mains et que Dieu la bénisse. Et prions pour tous ceux et toutes les familles qui sont atteintes de ce virus. On prie pour les hôpitaux, on prie pour les familles qui sont dans le deuil, qui ont besoin de la grâce de Dieu. On prie pour nos familles, on prie les uns pour les autres. Bénito sea en nombre del Señor. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, vers midi, on va dire, après que le responsable ait terminé de prêcher la parole de Dieu, deux minutes après, un frère de Fréjus m'a appelé. Et c'est El Mario de la Juana, et Fraco, El Mario de la Juana, qui est parti auprès du Seigneur. Ce frère m'a appelé. Il vient de perdre sa femme, sa compagne. Et quand il m'a appelé, c'est inimaginable le bien qu'il m'a fait. Il m'a encouragé grandement. Il m'a fait un grand bien. Quand on s'est quitté au téléphone, j'ai pleuré comme un enfant. Et je me suis dit, Seigneur, tu fais des merveilles, tu fais des grandes choses. Un frère qui vient de perdre sa compagne et qui soit un moyen d'encouragement pour moi. Bénito sea en nombre del Señor. Donc on voit que Dieu fait son travail dans les cœurs, dans les vies. Même qu'on passe par le deuil, par la maladie, même qu'on passe par des angoisses, des tristesses, etc., ou la séparation, quand même Dieu continue à faire son travail. Bénito sea en nombre del Señor. Prions pour ce frère, pour sa famille. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Moi, pour ma part, je les ai dans mon cœur. Et que Dieu les bénisse grandement. Bendito sea el Señor. Y Fraco, si tu es là, que tu m'entends, que Dios te bendiga mucho. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, on va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Et de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, on ne peut pas parler d'autre chose que de la Bible, que de la parole de Dieu. On ne peut pas parler d'autre chose que de Jésus. Amen. On est intéressé que par Jésus.
que par la Bible, la parole de Dieu. Il n'y a que les choses de Dieu qui nous intéressent à nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. On n'est attiré que par ça. Bénis ton Seigneur et nom de le Seigneur. Parce qu'il y a tant d'amour en Dieu, il y a tant de merveilles en Dieu, qu'on ne peut pas être attiré par autre chose que par les choses de Dieu. Parce qu'elles sont grandioses, merveilleuses, elles sont pures, elles sont saines, elles sont justes. Bénis ton Seigneur et nom de le Seigneur. Et ça, ça nous attire. Amen. Bénis ton Seigneur et nom de le Seigneur. Alors ce soir, on va prendre un seul livre de la Bible. Et on va parler sur l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Et dans cet épître, ça parle beaucoup de Jésus, mais beaucoup de Jésus. Alors, voilà ce que nous allons voir ce soir. C'est un message, comme d'habitude tous les soirs, c'est un message d'encouragement. Moi, dans mon cœur, ce que je reçois, dans mon cœur, ce que je ressens dans mon cœur, je ne suis pas meilleur que nos serviteurs, on est tous pareils. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est d'encourager les chrétiens. C'est d'encourager la brebis perdue à revenir. C'est d'encourager le païen à se convertir et venir à Dieu. Amen. Des messages d'encouragement. Bénis ton Seigneur, mon Seigneur. Même si dans le message il y a de l'évangélisation, de l'exhortation, de l'enseignement, tout ce que vous voulez, mais tout cela, le but, c'est nous encourager parce qu'on a besoin d'être encouragé. Bénis ton Seigneur et nom de le Seigneur. Alors, l'encouragement de ce soir, je veux te parler de Jésus et te dire que Jésus est grand. Amen. Que Jésus est grand et qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Amen. Il n'existe pas d'être plus grand que Jésus. Amen. Jésus est le grand des grands. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Et je veux t'encourager en te disant, voilà qui est ton Jésus, voilà qui est ton Dieu, voilà qui est ton Sauveur. Enfin, amen, que tu ne baisses pas les bras. Enfin, que tu ne perds pas courage. Mais que tu dis, Seigneur, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Seigneur, j'ai un grand Sauveur, et je dois avoir confiance en lui. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Ayons confiance en Jésus. Soyons accrochés à Jésus, parce qu'il est grand, parce qu'il est grand. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Adieu, sois-tu de la gloire. On rentre dans le sujet de la parole de Dieu. Et on va essayer de prendre chapitre par chapitre. Amen. Parce que chaque chapitre parle de Jésus. Et on va essayer de voir à chaque chapitre, avoir comment chaque chapitre présente Jésus. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Et chaque chapitre va te présenter une face de Jésus. Amen. À ce fin que nous puissions le connaître davantage, être un peu plus conscient, enfin, amen, d'avoir plus confiance en lui et de nous approcher avec plus d'assurance du trône de la grâce. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Alors, chapitre 1 et chapitre 2, le 1 et le 2, ça parle du monde angélique. Ça parle des anges. Alléluia. Le monde angélique qui a été créé par Dieu. Un monde céleste, un monde spirituel, un monde merveilleux, un monde glorieux. Amen. Qui d'entre nous n'a pas le désir, l'envie de pouvoir un jour voir un ange, observer un ange? C'est une merveille. Amen. Que Dieu a créé. Et le chapitre 1er et le chapitre 2, ça parle des anges, du monde angélique. Mais dans le chapitre 1 et chapitre 2, ça parle aussi de Jésus. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Et on vient de lire, amen, écoutez bien, dans Hébreux chapitre 1, je ne l'ai pas lu, pardon, chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, la Bible dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé à son peuple par le moyen des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé à travers du Fils. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Dieu parle à travers de son Fils. Et que Dieu fasse qu'à travers de son Fils, le Christ, Dieu puisse te parler ce soir et te conseiller. Amen. T'éclairer et t'encourager. Amen. Parce que si t'as, écoutez bien, si t'as besoin de quelque chose, amen, c'est de Jésus. Amen. T'as besoin de Jésus. Adieu, sois-tu la gloire. Donc, chapitre 1, chapitre 2, ce sont les anges, le monde angélique. Mais c'est un monde, amen, qui a été créé, qui a un départ, qui a une naissance. Vous comprenez ça? Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Mais maintenant, le chapitre 1, le chapitre 2 va présenter ton Dieu, ton Christ, ton Sauveur, comme étant supérieur, plus grand que le monde angélique. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Pourtant, le monde angélique, c'est la première création de Dieu. Amen. C'est la merveille de Dieu. C'est glorieux.
c'est splendide. Et le Christ, alléluia, est supérieur à cette gloire, à cette merveille. Christ est supérieur et beaucoup plus grand. Voilà ton Dieu, voilà ton Christ, alléluia. Le monde angélique a été créé, le Christ n'a ni commencement, ni fin. Voilà pourquoi il est plus grand que les anges. Voilà pourquoi il est supérieur aux anges, parce que Christ n'a pas été créé. Amen. Écoutez bien. Quand on parle, nous les humains, on a nos origines, c'est-à-dire notre départ. Amen. Notre naissance. Amen. D'où nous sommes sortis. D'où nous venons. Alors, quelle est l'origine de Jésus? Amen. On va 2000 ans en arrière, à Bethléem, à la crèche. Et à la crèche, on voit un bébé, un enfant, né de la Vierge Marie. Maintenant, on regarde ce bébé, et on regarde la prophétie qui correspond avec ce bébé qui est né à la crèche. Et la prophétie se trouve dans le livre de Michée, au chapitre 5, et verset 1er. Alléluia. Et que dit la prophétie concernant ce bébé? Alléluia. La prophétie dit ceci, que l'origine de ce bébé remonte au temps de l'éternité. Alléluia. Remonte au temps de l'éternité. Amen. L'origine de ce bébé ne remonte pas, amen, à la crèche de Bethléem, ni à Nazareth, lorsque l'ange Gabriel est venu à dire à Marie, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Ça va beaucoup plus loin, l'origine de ce bébé-là. Alléluia. L'origine de ce bébé qui est le Christ remonte au temps de l'éternité. Qui peut déchiffrer l'éternité? Qui peut donner le départ de l'éternité? Qui? Alléluia. Ça n'existe pas de départ dans l'éternité. Il n'y a pas de naissance dans l'éternité. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu, soit toute la gloire. Vous allez comprendre. Lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, il ne s'agit pas du commencement de l'éternité. Il s'agit du commencement de la matière. Lorsque Dieu a commencé à créer la matière, en même temps, il a créé le temps. Amen. Et quand il dit au commencement, c'est le commencement du temps à cause de la création de la matière. Amen. Mais l'éternité n'a pas de commencement. Hébreu chapitre 7, Christ n'a ni commencement ni fin. Ça, c'est l'éternité. Donc Christ est plus grand que le monde angélique. Bendito sea el nombre del Señor. Donc ton Christ, ton sauveur, sois conscient, réalise, il est plus grand que le monde angélique, parce que son origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. On va au chapitre 3, je passe. Plus grand que le monde angélique. Au chapitre 3, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver Moïse et la loi. Amen. On trouve Moïse, on trouve la loi. Mais la Bible dit que Moïse, alléluia, il n'est pas dans la maison. Moïse sert l'Éternel en dehors de la maison. Alors que le Fils de Dieu sert Dieu dans la maison. Bendito sea el nombre del Señor. Et là est la preuve que le Christ est plus grand que Moïse. Parce que Moïse est en dehors de la maison en tant que serviteur, alors que le Christ est dans la maison en tant que fils. Bendito sea el nombre del Señor. Moïse est celui qui a porté la loi. Mais Moïse n'a pas accompli la loi. Moïse vient avec la loi, donne la loi, apporte la loi, mais il est incapable de l'accomplir. Alors que le Christ est venu en disant, je ne suis pas venu pour abolir la loi, amen, mais pour l'accomplir. Christ est plus grand que Moïse parce que Christ est l'accomplissement de la loi. Bendito sea el nombre del Señor. Et à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Il a accompli ce que Moïse était incapable d'accomplir. Moïse a reçu la loi. Moïse prêchait la loi. Moïse annonçait la loi. Alléluia. Mais il n'a jamais pu accomplir la loi. Jamais. Alors que le Christ, alléluia, il a pu l'accomplir la loi. Que lorsque Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir. C'est l'image de Moïse quand il descend du mont Sinaï et que le peuple est dans la corruption. Il prend les deux tables de la loi, il va les briser. Vous avez compris ça? Et lorsque Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ça veut dire, je ne suis pas venu faire comme Moïse.
détruire la loi, abolir la loi, écarter la loi. Non, je suis venu pour accomplir la loi et donner à la loi son vrai sens. Bendito sea el nombre del Señor. Adiós, sans la loi. Christ, ton sauveur, est plus grand que le monde angélique, est plus grand que Moïse, parce qu'il a accompli la loi qui était incapable à Moïse. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu sur la loi. Adieu sur la gloire. Pardon. Chapitre 4. Plus grand que le monde angélique, il est plus grand que Moïse parce qu'il accomplit la loi. Et quand on arrive au chapitre 4, ça parle du sabbat, le repos. Alléluia. Un jour par semaine, 4 jours par mois. Bendito sea el nombre del Señor. Et là, on comprend bien. C'est le sabbat. Le sabbat physique, le repos physique, le repos corporel. Christ, alléluia, la Bible dans le chapitre 4, il va le présenter comme le repos éternel, pas d'un sabbat, pas d'un jour par semaine, ou 4 jours par mois, ou je ne sais pas combien dans l'année, mais Christ est le repos éternel pour l'éternité. Il a dit ainsi, vous tous, alléluia, qui êtes fatigués, amen, non fatigués d'avoir travaillé de lundi à vendredi et que vous avez besoin de vous reposer le samedi, non, non et non, vous tous qui êtes fatigués à cause du péché, amen, alors venez à moi et je vous donnerai du repos. Il parle du repos éternel, alléluia. Christ est plus grand que le sabbat, Christ est plus grand que le repos corporel et physique. Christ, amen, offre le repos de la conscience, le repos de l'âme, amen, le repos intérieur, le repos éternel. Dites à ce nom de Dieu, adieu, sois-tu la gloire. Le péché, le fardeau qu'apporte le péché, fatigue l'homme et la femme, épuise l'homme et la femme. Alors Christ dit, venez à moi, amen, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Amen. Et je vous donnerai du repos. Comment fait-il Jésus pour donner le repos à quelqu'un qui est chargé et fatigué? Eh bien, c'est simple. C'est en le déchargeant, amen, de son fardeau. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, chargés et fatigués à cause de la charge. Alors, Jésus vient, décharge ta charge, et là, tu trouves le repos. Et décharger ta charge, c'est le pardon de tes péchés. Amen. Il pardonne ton péché et là tu reçois le repos éternel. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu, sois-tu la gloire. Parce que le repos du sabbat, il n'y a pas de pardon des péchés. Ce n'est pas le repos de la conscience. Amen. Christ est plus grand que le monde angélique. Christ est plus grand que Moïse parce qu'il a accompli la loi. Christ est plus grand que le sabbat parce qu'il apporte le repos éternel, le repos de la conscience et le repos de l'âme. Bendito sea el nombre del Señor. Ça, c'est ton Christ, c'est ton sauveur. Donc, on ne baisse pas les bras. Amen. On ne perd pas courage. On a un Christ tout-puissant. Jésus est grand. Amen. Plus que les anges, plus que Moïse et plus que le sabbat. Chapitre 5. Amen. De quoi parle le chapitre 5? Ça parle du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qu'il y avait dans le temple. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chef du temple, celui qui va diriger le temple. Alors le souverain sacrificateur, bendito sea el nombre del Señor, écoutez bien ceci. Il n'existe pas dans la Bible de roi souverain sacrificateur. Roi souverain sacrificateur, ça n'existe pas. C'était interdit par Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Parce que pour être roi, il fallait être de la tribu de Juda. Pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi. Et comme on ne pouvait pas être des deux tribus en même temps, donc c'était impossible d'être roi et sacrificateur en même temps. Impossible. Bendito sea el nombre del Señor. C'est pour ça que dans la Bible, ça n'existe pas. Alors, Christ est plus grand que le souverain sacrificateur, parce que lui, Christ, alléluia, après la résurrection, amen, il devient roi, souverain, sacrificateur. Mais regardez la différence. Il est roi divin. Souverain divin et sacrificateur divin. Amen. Et ça, c'est unique. Amen.
Bendito sea el nombre del Señor. A Dios es su gloria. Donde la sacrificature de Jésus, elle est divine. Amen. Elle n'est pas humaine. C'est pas de père en fils. Elle est humaine. Et pas, pardon, elle est divine. Bendito sea el nombre del Señor. Il est roi divin, souverain divin et sacrificateur divin. Bendito sea el nombre del Señor. Roi, souverain, sacrificateur. Si Dieu le permet, je voulais le prêcher ce soir. Mais je ne sais pas, peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Je voulais vous parler de Jésus dans l'Apocalypse, lorsque Jean le voit dans toute sa gloire. Et c'est ça le souverain sacrificateur. Bendito sea el nombre del Señor. Il est roi, il est souverain, il est sacrificateur. Il n'y a pas de plus grand. Amen. Dans le temple, la place la plus élevée, c'était le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, dans l'Église, la place la plus grande, c'est le roi, le souverain et le sacrificateur. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Donc toi, ne baisse pas les bras. Amen. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Amen. Le Christ, le grand, le redoutable, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Il est là, à côté de ta vie. Amen. Donc, on ne baisse pas les bras. Bendito sea el nombre del Señor. Roi, souverain, sacrificateur. Chapitre 6. Ça parle d'Abraham. Amen. Abraham. Pourquoi Jésus est plus grand qu'Abraham? Pourquoi? Écoutez bien. Moïse reçoit la loi, mais il est incapable d'accomplir la loi. Abraham reçoit les promesses. Amen. Mais les promesses ne se sont pas accomplies à Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham ceci: toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Mais cette promesse ne s'est pas accomplie en Abraham. A Dieu la gloire. Qui a accompli cette promesse? Qui? De même que Christ a accompli la loi que Moïse a reçue, de même Christ a accompli les promesses qu'Abraham a reçues. Donc la loi s'accomplit en Christ et les promesses s'accomplissent en Christ. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Lorsque Dieu a dit, les nations seront bénies, les familles de la terre seront bénies en toi, il s'agit d'un descendant qui devait venir d'Abraham, d'un descendant qui devait venir d'Abraham. Et c'est Galates chapitre 3 qui va le dire. Amen. Galates dit, il ne s'agit pas de dire à tes postérités, mais au singulier, à ta postérité. Et Paul dit, c'est-à-dire à Christ. Amen. Et c'est en Christ que la promesse devait s'accomplir. Donc écoute bien maintenant. Lorsque tu as accepté le Christ dans ta vie, toi, chrétien, tu as accepté la loi accomplie, tu n'as plus rien à faire. Christ l'a accompli pour toi. Amen. Lorsque tu as accepté le Christ dans ta vie, tu as accepté les promesses accomplies, tu n'as plus rien à faire. La loi est accomplie, les promesses sont accomplies. Il te reste à vivre ce que Christ a accompli pour toi. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit la gloire. Amen. Il est important d'être conscient, de réaliser que ton Dieu est grand. Ton Dieu est grand, même que tu es confiné à la maison. Même que peut-être il y a des fois où des vagues viennent et elles te découragent et tu baisses les bras. Et moi, ce soir, avec la grâce de Dieu, je veux t'encourager. Amen. En te disant que ton Dieu est grand, redoutable. Amen. Et qu'il ne faut pas baisser les bras. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit la gloire. Imaginez-vous un enfant qui se met à pleurer, à se lamenter, alors que son père est milliardaire et qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Il se met à pleurer parce qu'il n'a pas un ballon pour jouer, parce qu'il n'a pas un jouet, parce qu'il n'a pas ci, parce qu'il n'a pas ça, alors que son père est milliardaire. Il n'a pas le droit parce qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Et nous, c'est pareil, on n'a pas le droit de se lamenter, on n'a pas le droit de se décourager, on n'a pas le droit de baisser les bras. On a un grand Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit la gloire. Jésus est grand. Chapitre 7. Ça parle des sacrificateurs. On a parlé du souverain. Maintenant, il y a les sacrificateurs. Et dans le chapitre 7, il est question que la sacrificature, elle est transmissible de père en fils. Vous comprenez ça? C'est un peu comme les dockers à l'époque. C'était de père en fils. Et là, la loi, c'était la sacrificature de père en fils. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, pourquoi Jésus est plus grand que les sacrificateurs? Pourquoi? Parce que les sacrificateurs,
le sacrificature était transmissible à cause de la mort. Lorsque le père mourait, alors le fils prenait la place. Il prenait la relève. Donc, ça se transmettait. Amen. Mais Christ prend la place de sacrificateur. Amen. Éternellement. Amen. Pour l'éternité. Donc, la sacrificature de Jésus, elle n'est pas transmissible parce qu'il ne meurt pas. Amen. Christ est mort, Christ est ressuscité et il ne meurt plus. Fini. Amen. Donc, la sacrificature de Jésus, elle n'est pas transmissible parce qu'il n'y a pas la mort. Parce qu'il n'y a pas la mort. Amen. Christ est sacrificateur pour l'éternité. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit toute la gloire. Voilà pourquoi Christ est plus grand que les sacrificateurs. Parce que lui, il n'est pas transmissible. A Dieu soit la gloire. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Gloire à Dieu. Chapitre 8. Ça parle de l'alliance. Bendito sea el nombre del Señor. Ça parle de l'alliance. A Dieu soit la gloire. L'alliance faite par le sang. Amen. L'alliance de l'Ancien Testament faite par le sang. Et Christ est plus grand, amen, que l'alliance de l'Ancien Testament. Parce que l'alliance de l'Ancien Testament a été faite par le moyen d'un sang d'animal. D'un sang animalier. Vous comprenez ça? Alors que Christ, dans le Nouveau Testament, va établir une alliance avec son propre sang. Amen. Voilà pourquoi Christ est plus grand que l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, elle était temporaire, elle était pour un temps, jusqu'à que Christ meure à la croix. Christ meurt à la croix, Christ ressuscite et va établir la nouvelle alliance par le moyen de son propre sang. Et l'alliance que Christ établit, elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Hébreux va le dire. L'alliance que Christ a établie, elle est éternelle. Bendito sea el nombre del Señor, a Dios sea la gloire. Parce que, écoutez bien, Christ à la croix s'est offert par un esprit éternel. Amen. Donc sur l'alliance, elle est éternelle à vie. Bendito sea el nombre del Señor. Christ est plus grand que l'alliance de l'Ancien Testament, parce que Christ s'est offert par un esprit éternel. Amen. Ton Christ est grand, ton Christ est redoutable. Bendito sea el nombre del Señor. Chapitre 9, je passe vite, je ne vais pas vous tenir longtemps. Chapitre 9, il est question du tabernacle. Le tabernacle que Moïse a construit. Le tabernacle de Moïse était matériel. Il y avait du bois d'acacia, il y avait du cèdre, il y avait du bois de sandal, il y avait du bois d'olivier, il y avait de l'or, de l'argent. Il y avait du bronze, il y avait du tissu, etc., etc. Mais c'était du matériel. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a existé un temps, ça a servi un temps, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a été passager, c'était un temps, c'était temporaire. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. Maintenant, le Christ, pourquoi est-il plus grand que le tabernacle de Moïse? Pourquoi? Parce que le Christ, écoutez bien ceci, amen. Quand il est venu sur la terre, et que le Christ a pris un corps humain, Christ lui-même, amen, en prenant un corps humain, écoutez bien, il s'est tabernaclé. Christ s'est tabernaclé. Amen. Ben dites, c'est nombre de choses. Que veut dire le mot tabernacle? Le mot tabernacle, ça veut dire tente. Una tienda. Ça veut dire une tente. Ben dites, c'est nombre de choses. Et le corps, dans la Bible, ça veut dire tente. 1 Pierre chapitre 5, ça veut dire tente. Bendito sea el nombre del Señor. Christ, en prenant un corps humain, il s'est tabernaclé. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et le tabernacle, qui était le Christ lui-même, amen, c'était l'unique, l'unique temple ou tabernacle dans lequel pouvait résider, amen, la divinité du Père. Bendito sea el nombre del Señor. Toute la plénitude du Père pouvait habiter dans le corps qui était ce tabernacle. Bendito sea el nombre del Señor. Dans le tabernacle de Moïse, amen, toute la plénitude du Père ne pouvait pas habiter.
simplement un aperçu de la gloire. Dans le temple de Salomon, un aperçu de la gloire. Mais dans le corps de Jésus, qui s'est tabernaclé lui-même, là, dans ce tabernacle, dans ce corps, la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habitait dans ce corps. Voilà pourquoi Christ est plus grand que le tabernacle de Moïse. Dites au Seigneur de Seigneur, ton Christ, ton Sauveur est grand. Amen. Donc, on n'a pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas n'importe qui comme Dieu. Alléluia. Dites au Seigneur de Seigneur. On continue. Encore, on peut aller. Chapitre 10. Qu'est-ce qu'on trouve au chapitre 10? On trouve les sacrifices. Ça parle des sacrifices. Dites au Seigneur, au Seigneur. Pourquoi Christ Jésus est plus grand que tous les sacrifices? Pourquoi? Dites au Seigneur, au Seigneur. Parce que tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient simplement que pour un temps, étaient simplement que pour cacher, couvrir la faute, le péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient pas éternels. Il fallait les renouveler pratiquement tous les jours. Amen. Et à chaque fois que l'homme commettait un péché, il fallait offrir un animal en sacrifice pour obtenir le pardon de ses péchés. Donc c'était temporel, c'était limité, c'était pour un temps, et c'était un animal qui mourait. Dites au Seigneur, au Seigneur. Mais le sacrifice de Jésus, alléluia. Dites au Seigneur, au Seigneur. Mais un peu la différence. Lorsque dans l'Ancien Testament il y avait des sacrifices, il y avait d'une manière journalière et quotidienne. Tous les jours, il y avait des sacrifices. Lorsque Christ est mort et que Christ est ressuscité, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Amen. Avant le sacrifice de Jésus, il y avait le sacrifice de la loi. Après le sacrifice de Jésus, il n'existe plus de sacrifice. Terminé. Dites au Seigneur, au Seigneur, parce qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que le sacrifice de Jésus. Parce que celui de Jésus, il n'est pas renouvelable. Amen. Il n'est pas temporaire. C'est pas pour un temps. C'est pas pour un jour. C'est pour l'éternité. Amen. C'est pour l'éternité. Dites au Seigneur, au Seigneur, Christ, ton Dieu, est grand, redoutable, à un tel point qu'il a accompli un sacrifice pour l'éternité. Dites au Seigneur, au Seigneur. Donc, ne baisse pas les bras. Ne perds pas courage. À Dieu soit la gloire. Christ est plus grand que tous les sacrifices. À Dieu soit toute la gloire. Bendit au Seigneur, au Seigneur. À Dieu la gloire. Chapitre 11, je passe vite aller. Chapitre 11, ça va parler des héros de la foi. Les héros de la foi. Ça parle de Noé, de Moïse, d'Abraham, de Gédéon, de David, etc., etc. Et ça parle des grands hommes qui ont eu la foi, des hommes qui ont fait des exploits, des hommes qui ont fait des merveilles par la foi. Amen. Mais pourquoi Jésus est plus grand que tous ces hommes? Pourquoi? Bendit au Seigneur, au Seigneur. Parce que la Bible dit comme ceci. Tous, héros ou pas héros, grands ou pas grands, tous sans exception, Paul dit, tous ont péché. Alléluia. Tous ont péché. Alléluia. Et le seul, l'unique, qui n'a jamais connu le péché, ça a été Jésus, le Fils de Dieu. Celui en qui il n'y avait pas de péché. Celui qui n'a pas connu le péché. Celui qui n'a jamais touché le péché. Celui qui n'a jamais fleuré le péché. Jamais. Bendit soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Voilà pourquoi Jésus est plus grand que tous les hommes, parce qu'il n'a jamais, jamais, jamais commis le péché. Jamais. Bendit soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il n'a jamais touché le péché. Le péché ne l'a jamais atteint, le péché ne l'a jamais touché. Bendit au Seigneur, au Seigneur, il était saint à l'infini, juste à l'infini, pur à l'infini. Bendit au Seigneur, au Seigneur, la sainteté de Jésus, on ne peut pas l'encadrer. La justice, on ne peut pas l'encadrer. La pureté, on ne peut pas la mesurer. Amen. Elle est éternelle. Amen. Bendit au Seigneur, au Seigneur, Christ est plus grand que tous les héros de la Bible. Amen. Parce qu'il n'a jamais, jamais, jamais commis de péché. Amen. Je passe vite. Chapitre 12. Il parle de Abel. Pourquoi Jésus est plus grand que Abel? Parce que lorsque Abel a été tué par son frère Caïn, son sang à lui qui est tombé sur la terre a crié jusqu'aux cieux, jusqu'à Dieu, en demandant vengeance.
le sang d'Abel a demandé vengeance. Alors que la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc celui d'Abel a parlé. Et quand il a parlé, il a demandé vengeance. Mais lorsque Jésus, son sang, a parlé, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Le sang d'Abel demande vengeance, le sang de Jésus demande pardon. Amen. Dit dans ce nom de Seigneur, Christ est plus grand qu'Abel à cause que son sang apporte le pardon de nos péchés, la purification de nos péchés. Dit dans ce nom de Seigneur, il n'y a pas de vengeance. Mais au contraire, pardon. Dit aussi le nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Laissons la vengeance de côté. Pas de vengeance. Sois en règle aujourd'hui, plus que jamais. Amen. En commençant par les membres de ta propre famille, avec tes enfants, ton fils, ta fille, ton beau-fils, ta belle-fille, avec les beaux-parents. Soyez en paix les uns envers les autres. S'il y a quelqu'un dans le membre de ta famille à qui tu n'adresses pas la parole, il est temps aujourd'hui, plus que jamais, amen, de faire la paix. De faire la paix. Assez de vengeance. Assez de pensées négatives. Assez d'opinions négatives. Ça suffit. Soyons en paix avec Dieu et avec tous les hommes. Dites à ce nom de Seigneur, à Dieu, ça tu vas voir. On n'a pas le droit, amen, de refuser de pardonner quelqu'un. On n'a pas le droit. Ça, c'est pas la Bible. On est des enfants de Dieu. On est des chrétiens. Amen. Et la vengeance ne fait pas partie d'un cœur chrétien, d'un cœur chrétienne. Amen. Dans un cœur de chrétien et de chrétienne, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est le pardon. Dites au Seigneur, le Seigneur, tu vas dire, mais si, Juan, tu ne sais pas ce qui me passe. Jésus le sait. Jésus le sait. Et la Bible dit que celui qui ne pardonne pas, le Père qui est dans le ciel, ne le pardonnera pas non plus. T'es pas venu de mal, comme tu l'as dit. Mais si tu pardonnes, la Bible dit que le Père céleste pardonnera aussi. Donc, le pardon de Dieu dépend de notre pardon à nous. Si on pardonne, il nous pardonne. Vous avez compris ça? Dites au Seigneur, le Seigneur. Donc, pas de vengeance. Amen. Chapitre 13. Il est plus grand, amen, que tous les pasteurs. Gloria à Dieu. Il est plus grand que tous les pasteurs. Parce que le chapitre 13, ça parle du pasteur. Et la Bible dit que Jésus est plus grand que tous les pasteurs. Et vous allez comprendre. Bendito sea el nombre del Señor. Si on prend 1 Pierre 2:25, Jésus est présenté comme le pasteur gardien de nos âmes. Le pasteur gardien de nos âmes. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Christ est le gardien de ton âme. C'est ton berger, c'est ton pasteur, et son travail, c'est de garder ton âme d'une manière précieuse. Amen. Voilà pourquoi ce soir, il permet ce message pour t'encourager afin que ton âme ne soit pas affligée. Amen. Mais que ton âme soit encouragée. Donc, il est le gardien de ton âme. Il est ton pasteur et le gardien de ton âme. 1 Pierre 5:4. C'est le souverain pasteur. Le pasteur gardien, le souverain pasteur. Amen. Il est souverain. Ça n'existe pas. De pasteur souverain sur la terre, ça n'existe pas. C'est l'unique Jésus. Amen. Voilà pourquoi il est plus grand que tous les pasteurs. Bendito sea el nombre del Señor. Et si vous prenez Hébreux 13, verset 20, au chapitre 13, là, c'est le grand pasteur des brebis. Amen. Le grand pasteur des brebis. Sur la terre, ça n'existe pas de grands pasteurs. Des pasteurs, oui, mais des grands pasteurs, ça n'existe pas. Bendito sea el nombre del Señor. Ça existe des pasteurs, mais pas des souverains pasteurs. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Ton Christ, ton sauveur, c'est, amen, le pasteur gardien de ton âme, c'est ton souverain pasteur, et c'est le grand pasteur des brebis. Amen. Le grand pasteur des brebis. S'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Dites, c'est un nom de Seigneur. Et je termine avec le chapitre 13, c'est le dernier chapitre. Il est plus grand que tous les pasteurs. Et le chapitre 13 termine en disant ceci, au verset 8. Écoutez bien, il va dire, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça veut dire quoi? Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Bendito sea el nombre del Señor. Ça veut dire, il sera toujours le plus grand.
parce qu'il a toujours été dans le passé le plus grand, dans le présent il est toujours le plus grand, et dans l'avenir il sera éternellement toujours le plus grand. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Il est le plus grand. Amen. Alors pourquoi baisser les bras? Alors pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Amen. S'il est le plus grand, il a été, il est et il sera dans toute l'éternité le plus grand, le grand des grands, le redoutable, le tout puissant. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, on ne perd pas courage. Amen. T'as pas n'importe qui comme Dieu. Ton Sauveur n'est pas n'importe qui. Ton Seigneur n'est pas n'importe qui. Bendito sea el nombre del Señor. Ton Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. C'est le grand des grands. Alléluia. Je termine avec une conclusion. Et psaume 77, verset 14. Et psaume 77, verset 14. Voilà ce qu'il dit. Oh Dieu, ça c'est ton Dieu à toi. Oh Dieu, tes voix sont saintes. Tes voix sont saintes. Tu camino son santo. Quel Dieu est grand comme toi? Quel Dieu est grand comme toi? Quel Dieu est grande comme toi? Amen. Quel Dieu sur la terre est grand comme ce Dieu dont on est en train de parler? Quel? Qui? Bendito sea el nombre del Señor. Il n'existe pas de Dieu aussi grand que Jésus. Ça n'existe pas. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu, sois-tu là. Ton Dieu est grand. Amen. Et nul est grand comme lui. Nul. Personne. On prend notre verset. Et psaume 104, verset 1. 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es grand à l'infini. Amen. Verset premier, on a dit que nul est grand comme Dieu. Personne. Amen. Et second verset, il est dit que il est grand à l'infini. Amen. C'est-à-dire, bendito sea el nombre del Señor, qu'on ne peut pas mesurer la grandeur de Dieu. Amen. On ne peut pas la mesurer. Il n'y a pas de dimension sur la terre, ni dans le ciel, ni en bas sur la terre. Ça n'existe pas de dimension pour mesurer la grandeur de ton Dieu. Amen. Alors, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Dites au Seigneur de l'Enseignant. Une grandeur infinie. Amen. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la hauteur. On ne peut pas mesurer la hauteur de Dieu. Amen. Un troisième verset. Le psaume 145, verset 3. 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur, écoutez bien, est insondable. La grandeur est insondable. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, si elle est insondable, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre le fond. Amen. On ne peut pas atteindre le fond. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Les hommes, les scientifiques vont vous dire que dans les mers, dans les eaux, il y a tant de profondeur. Les scientifiques vont vous dire que de la Terre à la Lune, il y a tant de distance. De la Terre à la première étoile, tant de distance. De la Terre à la dernière étoile, tant de distance. Mais personne ne pourra te dire quelle est la distance de la grandeur de Dieu et de la profondeur de Dieu. Amen. Parce qu'elle est éternelle. Dites ce nom du Seigneur. Donc, pas le droit de baisser les bras. Pas le droit. Amen. Dites ce nom du Seigneur. Sa grandeur est infinie et elle est insondable. Insondable. On ne peut pas atteindre le fond ni la hauteur. Dites ce nom du Seigneur. Il est grand, Dieu. Dieu est grand. Amen. Un dernier verset. Le psaume 150, verset 2. 150, verset 2. Il va dire, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta louange doit correspondre avec l'immensité grandeur de Dieu. Amen. Quelle louange doit-on avoir? Elle doit être en accord et correspondre avec la grandeur immense de Jésus. Amen. Donc si tu vas louer Dieu avec la peur, avec la crainte, avec le découragement, ta louange n'est pas d'accord avec sa grandeur immense. Si ou non, on doit le louer, amen, avec foi, avec certitude, avec assurance, avec espérance, avec confiance, amen, dans ce Dieu grand et redoutable. Donc, ne baisse pas les bras. Bendito sea el nombre del Señor, Dios, en toute la gloire.
Donc, tu as compris ce soir. Qui est ton Dieu? Qui est ton Jésus? Qui est ton Sauveur? Il est le plus grand. Il a été, il est, il sera toujours le plus grand de toute éternité. Dites ce nom de Seigneur. Donc, tu n'as pas n'importe qui là-dedans dans ton cœur. Tu n'as pas n'importe qui dans ta maison. Tu n'as pas n'importe qui dans ton foyer. Tu n'as pas n'importe qui dans ta vie. Amen. Tu n'as pas accepté n'importe qui. Tu ne vis pas avec n'importe qui. Tu ne pries pas n'importe qui. Tu ne chantes pas à n'importe qui. Je ne prêche pas n'importe qui. Amen. Dites ce nom de Seigneur. Donc, prends courage. Amen. Et accroche-toi, accroche-toi. Et fonce, va devant. Dites ce nom de Seigneur. Et à partir de ce soir, on ne pleure pas. On ne baisse pas les bras. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Parce qu'on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando te sientas mal, dites tú, Señor, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est pas autorisé par Dieu. C'est pas permis par Dieu. Dieu ne veut pas. Bendito sea el nombre del Señor. Parce qu'il est avec nous. Le grand des grands est avec nous. Donc on n'a pas le droit de baisser les bras. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit toute la gloire. Voilà, je crois que la parole de Dieu nous a fait du bien, chacun d'entre nous. Ne prenez pas la parole de Dieu comme simplement comme de l'enseignement, quelque chose qui plaît, qui est agréable à entendre, etc. Prenez toujours la parole de Dieu comme un moyen d'encouragement, comme un moyen qui va nous pousser à dire, allez, on y va. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Alors ce soir, Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait du bien. Eh bien, prends la parole de Dieu à cœur et faisons tout, pour que la parole de Dieu fasse son effet dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions la vivre, la mettre en pratique. Bendito sea el nombre del Señor. Vous savez, pour vivre la parole et la mettre en pratique, on n'a pas besoin d'aller dehors. Confiné à la maison, on peut mettre la parole de Dieu en pratique. On peut la vivre en lui laissant la place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences, lui laissant la place qu'il faut à la parole de Dieu. Et dépendre de la parole, vivre la parole, aimer la parole, servir Dieu par le moyen de sa parole. Bendito sea el nombre del Señor. Je veux t'encourager par tous les moyens que Dieu me donne. Alors je t'en supplie. Prends cette parole venant de la part de Dieu. Ne dis pas c'est bien prêché, etc. Ça vaut rien de tout. Dis plutôt, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as béni. Et merci parce qu'à partir de maintenant, je ne veux plus baisser les bras. Terminé. Je ne veux pas, je veux m'accrocher dans ce Dieu que j'ai, grand et redoutable. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Voilà, je crois que je vais vous laisser. C'est l'heure. Il y a un serviteur qui va prendre la place. Et que Dieu le bénisse aussi. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, frères et sœurs, on a été bénis, je crois, par ces moments qu'on a passés. Merci pour la patience que vous avez d'écouter la parole du Seigneur. Écoutez toujours la parole, priez Dieu, lisez votre Bible. Faites selon vos possibilités, faites selon les moyens, faites selon la force que vous avez. Mais faites toujours. Et pour la gloire du Seigneur, rappelez-vous le message d'hier soir. Vous avez 2 centimes, mettez-les au service du Seigneur. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, frère, je vais vous laisser, on se dit à demain, toujours à la même heure, à 10h du soir, et on continue en priant les uns pour les autres. Merci Seigneur. Amen. Voilà, j'ai pas envie de vous laisser. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Mais je le fais parce que je suis obligé. Voilà, mettez-moi à ma place, je suis obligé. Il y a un serviteur qui va prendre la place, donc on est obligé de respecter les frères qui prennent la place, afin que d'autres frères aussi puissent écouter. Et ce frère qui prend la place, il passe des heures et des heures à prier pour des malades et à prier pour des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est notre frère Jeannot, et que Dieu le bénisse grandement. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs et les frères, les couples, notre jeunesse, nos anciens, nos familles, et que Dieu nous bénisse ensemble. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, frère, je vous laisse, je ne vous tiens pas plus. Je vous dis à demain. Je vous dis bisous. Bonne soirée. Dormez dans la paix, dans la tranquillité, et comme je dis d'habitude, pas de dispute. Les couples, pas de dispute. Les enfants, la jeunesse, pas de dispute entre vous, pas de dispute avec les parents. Vivons la paix, la sérénité, la tranquillité, et faisons des efforts pour bien nous entendre les uns envers les autres. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Frère, je vous dis bonsoir, je vous dis à demain, et que Dieu vous bénisse à tous. Ciao les frères, ciao les sœurs, ciao la famille, ciao.